Charlène de Monaco n'est pas la seule à s'impatienter de son retour sur le rocher. Bloquée depuis mai dernier en Afrique du Sud pour un problème orle, l'épouse d'Albert II est privée de voyage à plus de 3000 mètres d'altitude, et ce malgré une lourde intervention qui s'est bien déroulée en août dernier. Hospitalisée début septembre à cause d'une infection, voilà que son retour prochain est quelque peu compromis, elle qui estimait ce voyage possible dès la fin du mois d'octobre, voire quelques semaines plus tôt selon son époux. Un souhait cher au prince Albert II, à qui son épouse manque beaucoup. S'il est venu lui rendre visite durant sa convalescence avec leurs jumeaux Jacques et Gabriella en août dernier, Albert de Monaco a confié à People avoir plus que jamais envie de retrouver sa femme au sein de la principauté. J'ai hâte que Charlène soit de retour. J'ai hâte qu'elle soit de retour parce qu'elle fait partie de ma vie, de nos vies, de la vie à Monaco, a-t-il ainsi confié lors de son déplacement en Irlande avec ses enfants, lui qui semble un peu dépassé par la vie de papa solo. J'ai aussi hâte qu'elle m'aide avec les enfants et avec des choses différentes de ce qu'elle a fait par le passé parce que si est-il un effort d'équipe. Quand l'un des membres de l'équipe n'est pas là, si est-il beaucoup plus difficile, a-t-il précisé. Albert II, papa solo pour la rentrée de ses jumeaux. Si est-il d'ailleurs en papa solo que Albert de Monaco a accompagné Jacques et Gabriella à leur rentrée des classes, mardi 7 septembre. En effet, les jumeaux du couple princier ont fait leur entrée en SPLE1-bas dans un nouvel établissement, l'institution François d'Assise Nicolas Barré, une école privée catholique à Monaco. Après un passage dans le public dans l'école Stella, les voilà désormais intégrés à un nouvel établissement, dans lequel ils ont adopté l'uniforme rouge et noir. Un moment complice entre le prince Albert II et ses enfants, marqué toutefois par l'absence de Charlène de Monaco.